Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer l'aventure sur mon serveur. Et aujourd'hui, on va essayer de vous montrer en détail les builds du builder qui a commencé les builds dans le serveur tout simplement. Il a construit pas mal de trucs et c'est vachement stylé. Je suis en compagnie de Promesia encore aujourd'hui, c'est super cool. Et puis, ben, c'est parti. Mais du coup, les amis, on a réinvoqué l'Ender Dragon. Ça va être marrant. Pourquoi pas? Oh là là, je fais n'importe quoi. Il y a qui avec nous? On est plein. Il va falloir foncer sur l'XP. Hein, hein? Non, 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 non. Non, ils ont ramassé mon stuff. Promesia, aide-moi. Eh, ils ont mangé mon stuff. Ouais, c'est bon, il est mort. Mais c'est qui a mon stuff? Ah ouais, mon pantalon, merci. Mon épée. Mon arc, ok. Je sais pas s'il m'a redonné tout mon stuff. Bon, j'ai mon armure, ok. Je suis niveau 0, super. Bon, j'ai pas de bouffe, je vais retourner à la maison. Ça a duré 2 secondes et moi, j'ai rien récupéré. Je suis juste mort, voilà. Bon ben voilà, ce combat avec l'Ender Dragon ne fut pas bénéfique du tout, mais bon. Bon, cette première partie de vidéo n'était pas fameuse, et maintenant on va aller au spawn pour tout simplement voir les constructions du builder. Le builder c'est Aura Rumeur ZBS. ZBS c'est ça. Ben merci à lui, c'est incroyable. Il y a des nouveaux trucs au spawn. Il faut rajouter dans les règles du coup. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas dans les règles, enfin c'était pas dans les sanctions. Qu'on n'avait pas le droit de déco quand on était en train de PVP. Ouais, il faudra le rajouter. Bon, sinon, voilà un aperçu des constructions du builder. Pour l'instant, c'est stylé comme ça. Ah ouais, il a encore fait des trucs. Oh, c'est stylé, hein. Donc là, on arrive sur un petit chemin normal. Mais par contre, je me demande comment Satinous, il a récup son stuff quand il a suffoqué. Mais non, mais il était mort. On a vu Satinous a suffoqué. Ouais, donc en fait, hier, après la vidéo, on a continué de jouer avec Promesia. Et tout simplement, il y a Satinous qui est retourné à l'endroit où on avait mis des blocs pour qu'il suffoque. Il a suffoqué, il est mort. On est allé sur place. Il n'y avait pas son stuff. On s'est dit, ok, il a des pop. Bon, ben, tant pis, quoi. Et sauf qu'on l'a revu et il a encore son stuff. Donc on se demande s'il a pas cheaté, il a mis une commande pour garder son stuff. Donc voilà, on va le questionner un peu parce que c'est pas très légal, ça c'est pas du tout légal même. Et voilà, bon bref, sinon on va continuer la visite de l'arène de PVP. C'est vachement stylé pour l'instant, hein. Donc là on a des petits arbres, un chemin normal. Sinon on a le builder ici présent, merci à Aura Rumeur, je l'ai déjà dit. Et donc là on a écrit Wilderness, ça veut dire région sauvage. Et là on a l'arène. Donc on va se diriger vers l'arène, et voilà, on a un petit sentier normal, c'est super stylé. Bienvenue dans l'arène, ici on prend aucun dégât sauf dans l'arène, et on peut rien détruire. Ok, donc ça c'est vachement stylé, ça commence à ressembler à quelque chose ce serveur. Du coup on est juste dessous l'arène et la montagne où on peut se battre, et enfin ouais voilà. Et ici en fait pour monter, on a un petit parcours que je n'arriverai jamais clairement. Donc ah, il y a de la redstone, je n'en voulais pas, on s'en fiche. Et donc bref, il faut, voilà, il y a un parcours, je vous laisse voir, là il faut monter là, sur les petites barres et tout, les blocs. Mais nous on n'a pas le temps pour ça, on monte d'une autre manière, bien plus simple, que vous connaissez sans doute, en élytre, on est quand même mieux. Du coup on arrive là, oh, c'est vachement stylé ce qu'il a fait quand même comme construction. Là on peut faire un peu de parcours, ouais, j'ai cru que j'allais tomber, bon, au pire c'est pas grave. Donc bref, pour vous présenter, là on a une grande maison de décoration. Là on a un petit pont normal, c'est vraiment stylé. Par contre ceux qui n'ont pas d'élytre, ben rip quoi, ils peuvent pas en profiter. Donc là, je sais pas ce qu'il a fait. Oh, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé ce qu'il y a là. Il y a genre un nuage qui tire l'arène avec des chaînes. C'est trop stylé. Le builder quand même, il a un petit niveau, moi j'aime bien. On va voir un peu dans l'arène. Donc l'arène, ok, c'est une arène normale, il y a des trous. Il y a de la redstone pour faire du sang et il y a une tête... Il y a une tête de Steve. Voilà. Ok, ok. Et ici, on peut prendre des dégâts de combat. Ok. Bon, ben, c'est vraiment sympa. Et là, on a encore une fois la maison. Ah ouais, il y a une grande pile, là. Quelqu'un, il est monté comme ça, je pense. Ouais, on va vendre des élytres parce que là, on en a combien, là? On n'en a que 20. On a 20 élytres. Et par contre, c'est vraiment... On n'a pas cheaté, vraiment. Promesia, il en a pris plein. Hier, on est allé un peu dans l'end. On a trouvé plusieurs bateaux. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Mais c'est zéro cheat, les amis. On ne cheat pas, sinon il n'y a pas d'intérêt. Bon, ben voilà pour ce qui est de l'arène et de la maison. C'est quand même vachement beau, hein. Bravo aux constructeurs de ceci. Donc, on vous ment pas, les gars. Regardez ces élytres. Il y en a beaucoup trop. Les têtes de dragon. Tout notre stuff, là. Vraiment. Les casques. Les pantalons. Les plastrons. Les petites pioches. Les pelles. Du coup, les gars, on se retrouve. On est au spawner avec Promesia. Un spawner que Promesia a aménagé, plutôt. Et il y a en fait des araignées bleues comme ça, et il y a aussi des zombies. Donc voilà, c'est plutôt efficace. Et regardez ce que Promesia m'a montré dans le coffre en bas. Tu l'as sur toi?
Ok, il a une tête, il a une tête d'araignée bleue, les gars, c'est trop stylé. Et bref, sinon, les coffres là, ils sont bien remplis hein, avec plein de trucs. Et moi, je vais XP parce que je suis niveau 0, donc voilà. On va XP un petit peu. Ah oui, et du coup, je vais vous montrer aussi comment il est à l'intérieur. On va montrer. Faut juste qu'on arrive là. Hop, et là, regardez ça. On a les deux spawners, un là et un là. Ça tombe tout, et c'est quand même incroyable. C'est plutôt efficace, hein. Du coup, on retourne là, et puis. On va s'XP un peu parce que là, niveau 0, ça fait mal. Voilà, comme ça. Et là, on peut XP tranquillement. Déjà, niveau 5, c'est pas mal. Attends, attends, attends. Promethium dit que Aura Rumeur a donné des blocs de diams à Tritan 40, 440. Donc là, c'est très grave. C'est très grave. Même s'il construit bien, Promethium a des preuves. Il a enregistré. Du coup, Promethium dit on va dans la zone de PVP et on le TP. Attends, attends, attends. Il y a Aura Rumeur. Il me dit Yop, tu peux me TP dans ta base. J'ai besoin de faire des plans pour ma prochaine vidéo. Ici, non. Du coup, je lui dis, non, tu viens de donner du diams à un gars. C'est quoi ça? Non, attends, il me dit, ah, non, c'est l'argent du fisc qui est tombé par terre. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Oh, mais bon, c'est galère. Là, on essaye de. Mais non, mais en vrai, on essaye de le PVP, mais il faut qu'on lui dise, on fait un truc légal, quoi. Bon, Promethium essaie d'amener quelqu'un dans la zone de PVP pour faire un petit combat. Bon, du coup, moi, j'XP un petit peu au spawner, parce que niveau 3, c'est pas fou, quoi. Et on est beaucoup sur le serveur, hein. Merci à tous ceux qui sont là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'il y ait autant de monde. Mais ça fait plaisir. Donc, attendez, là, les amis, il y a un gars. Promethium essaie d'amener quelqu'un dans l'arène. Seulement, je crois que c'est grillé. Il dit, j'ai peur. Mais c'est légal, là, les amis. Il vient dans la zone de PVP, on aura le droit de le tuer. Enfin, Promethium aura le droit s'il a envie. Moi, je vais pas me mêler à ça. Moi, je me mêle pas à cette histoire. Déjà, il y a des gens qui ont trouvé qu'on était trop méchants avec cette Inus. Je me mêle pas avec cette histoire. Attends, il y a un mec là. Oh non! Oh non! On peut pas! On peut pas! Je peux pas! Bon, ben moi je vais XP les amis. On a quoi à réparer? Eh ben on a mon casque. Ah, mais non, le casque je peux pas. Bon, on va réparer un petit peu ma pioche aussi. Pourquoi pas? Mais mec, ils sont trop gentils les abonnés. Ils me donnent des trucs. Il m'a donné du mouton cuit et un bloc de gold. Ben, dédicace à Loti08 et à Triton Link qu'on a essayé de martyriser quand même. Je me suis fait piller. Non. Comment c'est possible? Attends, j'ai envie de lui donner un petit truc à Loti. Tu veux pas? On lui donne un plastron en diams. Donc là, les amis, on s'apprête à donner un petit stuff à Loti qui s'est fait piller et il avait été sympa, j'avais visité sa base, alors je décide de lui donner un petit truc. Un petit efficacité 4, fortune 3, ça me paraît pas mal. En fer. Allez, c'est parti, on va aller au spawn. Alors, Loti vient. Le petit plastron, les petites jambes, les petites jambes, les petites jambes. Et la petite pioche, c'est pour t'aider à repartir de plus belle, Marcel. Bon voilà, on a quand même pas mal de stuff qui est bien rangé. Le stuff en fer, il nous servira à rien. Donc s'il y a des abos qui sont fait piller ou qui sont vraiment très mal, bah on pourra leur passer un petit truc. Oh mais il y a encore du stuff là. Oh là là, on aurait pu lui donner du diamant. Dis-moi combien de cœurs tu perds, ok? Arrête, mais... mais moi aussi j'ai un P4. Bon bah ça va. Et toi, mets-moi une flèche. Non, 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 attends. Attends, 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 je vais être en feu. Vas-y, vas-y. Attends, on fait un test, combien je perds? Vas-y, j'ai mon seau d'eau après. Hein? Mais ça me fait rien. C'est trop bizarre, attends, tu peux pas me tirer à l'arc. Mais ton arc, il est buggé, regarde-moi. Ah, mais voilà, mais... Non, non, non. Cette fois, je me suis pris 3 cœurs dans la gueule et après le feu. Je me fais cette petite épée, c'est déjà ça. On a un tranchant 4, aura de feu 1, recul 2, raccommodage. Oh, attends. Oh, j'ai une base. J'ai une base. Arrête. Arrête. Oh, c'est inattendu. C'est inattendu. Oh là là. Attends. Vas-y, vas-y. Vas-y, fais-moi un TP. Oh non, mais attends, c'est vide en vrai. Oh. Mais c'est incroyable. Attends. Attends. Oh, mec, attends, c'est quoi? Non, mec, par contre, là. Mec, j'ai trouvé une pépite, là. Mais mec, attends, vas-y. Demande un. Attends, je sais pas si je peux. Vas-y, demande un TP là, par contre. Mais attends, mec, il y a des coffres en haut, j'ai vu aussi. Mais c'est quoi cette base, les gars? Vraiment. Par contre, là, on a le droit de prendre ce qu'on veut, hein. Oh non, il y a des coffres. Il y a des coffres qui sont vides. Ah, dommage. Oh non, dommage. On pourrait le détruire. Mais il y a quoi en bas?
Non, ouais, non, c'est un troll, c'est... Bon, y a rien. Mais je suis sûr, en vrai, je sais pas, je pense qu'il y a un passage secret. J'ai espoir. Si, si, si. Mais mec, regarde à côté. C'est quoi ça? Il y a une tour à mob. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais, mais juste à côté. Non, il y a un gros bloc de Netherrack, je sais pas à quoi ça sert. Mais mec, c'est quoi ça? Les coffres ou ça? Ah, mais what? Attends, je vais mourir, mec. Il faut que j'aille au spawn. Non, attends. Quand je suis mort à l'Ender Dragon, j'ai oublié. Mais l'abonné, il a pris mon bouclier. Non, le bouclier que t'as... On avait trouvé la bannière. Ouais, c'est vrai. Oh, j'ai un village. J'ai un village. Il est pas mal. Oh, attends. What? Il y a des gens. Enfin, il y a une base. Vas-y, demande un TP. Attendez les amis, on a trouvé quelque chose là, c'est assez improbable. On a un village, normal. Et là, il y a un mec qui a construit un petit truc et écrit MCMP Discord pour voir ce que l'on va faire. Ne pas piller SVP, aucun stuff intéressant. Ici se base le fisc, on va instaurer des impôts. Mais c'est qui ce mec qui... Si vous voulez donner des choses, MP, quand je suis co, sinon... Posé dans les coffres. Mais qu'est-ce... n'importe quoi, il n'y a pas de fisc, les gars. Vous êtes. Il n'y a pas de fisc. Qu'est-ce que vous racontez? Mais on n'est pas sur Holy Cube, hein, comme me dit Promesia. Les amis, qu'est-ce que. Ok, c'est très bizarre. Bon, par contre, est-ce que dans le village, il y a des villageois? Ça, c'est la. Bah, je pense. Ah oh, ouais, non, on dirait qu'ils ont tué les villageois. Ouais, je sais pas. Il n'y a plus rien, je crois. Mais faut pas tuer les villageois, les gars. Oh! Là, il y en a un qui est enfermé. Bon, je crois qu'il y en a qu'un, ça peut déjà être ça, mais... Regardez ça. On fly à travers les trous des roches, quoi. Hop là. C'est pas incroyable, ça? Regardez. Vous avez jamais vu ça sur Internet, les gars? Regardez ça. C'est du... je sais pas comment on appelle ça dans la vraie vie. C'est des mecs qui planent, là. Enfin bref, incroyable. Vous avez vu ça? Prenez-en de la graine, moi, je vous dis. Bon les amis, on est enfin dans un village, ça fait plaisir, on va récupérer les petites bottes de foin, mais, surtout on va les... Enfin, on va l'utiliser quoi. Faut qu'on fasse des petits libraires avec des livres enchantés plutôt pas mal. Ouais, on a une petite... Promisée à trouver une pomme dorée enchantée dans la pyramide. On en a deux du coup. C'est quand même plutôt sympa ça. Ben voilà, on est plutôt bien. Bon bah écoutez les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était le bordel cette vidéo, voilà, on s'est un peu amusé avec Promesia, avec des gens. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de monde sur le serveur, ça fait trop plaisir, merci à tous. Vous pouvez le rejoindre, hein, l'IP est dans la description si vous jouez sur Java, voilà, vous pouvez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je sais pas si cette vidéo, soit elle dure 8 minutes après montage parce qu'il y a trop de trucs, je sais pas quoi monter. Soit elle dure, voilà, 12-15 minutes, on verra bien. Bref, n'oubliez pas de mettre un petit like si c'est pas fait, vous abonner si c'est pas fait. Et le serveur Discord éventuellement. Je vous dis à après-demain à 17h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine.